écrasement de nos existences, quelque part sur les terres de France. Au croisement de nos existences, quelque part sur les terres de France. J'aime ce pays, j'y peux rien, c'est dans ma nature. Je dis tout ça pour faire le malin, ça c'est sûr, tant pis pour moi. Si après ça on... Sans grand destin, un ami à qui l'on tient, juste quelqu'un de bien. Elle lui a dit, faut que je m'en aille, me défaire, me refaire. Peloche, Marcel, Peloche. Inspecteur Peloche. Jarnac-sur-Seine, petit village bucolique. Roselyne, la charcutière. Monsieur le curé. Robert, le garagiste. Madeleine, la boulangère. Votre arnaque a fait quoi que... Thank you.
lieutenant, il se passe quelque chose de bizarre en face. C'est quoi ce bordel? Lui, ce qu'ils peuvent bien foutre. Ils ont peut-être marre, les Allemands. Ça se trouve, ils veulent se rendre. Mon chef, donne-moi une bouteille de champagne, mon car. That a good many of your men never left the trenches. There's the question of the troops' morale. Don't forget that. The troops' morale? Certainly. These executions will be a perfect tonic for the entire division. There are few things more fundamentally encouraging and stimulating than seeing someone else die. Where in heaven's name are they? On the left. Where on the left? 0+1 and they're still in the trenches. They're not advancing. Miserable cowards. They're not advancing. The barrage is getting away from them. They're still in the trenches. Yes. Captain Nichols. Yes, sir. Order 75 to commence firing on our own positions. On choisirait s'il ne fallait en garder qu'une. Quick!
c'est le meu ami. Pense qu'il te la jouera. Pense. Dis que si. Youpi! Dis mon ami. Youpi! Youpi! Côté, je vois les résistants français planqués dans des caves en Normandie derrière des tonneaux de calva en train d'écouter De Gaulle sur Radio Londres. Les pommes de terre sont épluchées. Je répète, les pommes. Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Qu'est-ce que c'est que ces messages? Qu'est-ce qu'ils foutent à Londres? Ils débarquent ou quoi? Les oignons sont émincés. Mais qu'est-ce que tu glandes, De Gaulle? Attends, j'ai compris le message. Il est en train de faire un pot-au-feu. Un pot-au-feu, c'est toujours meilleur le lendemain. C'est retardé. Vous êtes prêts? C'est parti! Dès que l'enfant paraît, je me casse, je peux pas sentir les plus la pisse. Je leur mords les joues quand je les embrasse, et quand ils pleurent, je leur pince les cuisses. C'est mon truc, c'est mon sas, c'est dos, je mets les gosses. Les flics à sonnette sont bien plus poètes que les se s'agir au bar, car ils ont pas besoin de pimpon, pas besoin d'action pour épater l'auditoire. Pardon, pédale, ta monture est si belle. Sus, oh, vandale, et vive les hirondelles. Honte à ceux qui télévisent, qui Bernard-Henri divise, qui concertent de soutien d'Éthiopie en Somarien, qui traînent dans leur soulière la soutane à la bébière. Sauvons les cigognes, la Sologne et la Pologne, les putes de Borgne. Mes putains protégés, les bêtes à gorge, le chef de gare de la gare de Limogne, les béliers trompés, les rhinocéros.
Jamais on le saura. Alain Leprest était un grand qui a raté son rendez-vous avec la gloire. Il est parti en 2011, mais Didier Pascalis, Yves Jamais, Jean-Guy Denis, Romain Didier, la famille, quoi, sont désormais là, en mission. Je viens de faire mon spectacle sur Jacques Prévert, avec des textes de Prévert. C'est de ce niveau-là, hein, si c'est pas mieux. Sincèrement, c'est très étonnant, même quand on se plonge dans son écriture, dans la façon dont il écrit, dans la façon dont les phrases se mêlent, dont les mots se mêlent, on est quand même ébloui. Hein. Il pleut sur la mer, et ça sert à rien. Des mots, des phrases qu'on entend des fois dans les bistrots, qu'on entend sur un marché, qu'on entend dans une rue, qu'on entend chez son voisin, puis on dit, mais ça c'est une chanson, ça qu'il est en train de me faire. Comme on baise, on se couche, l'avenir est un nègre et c'est pas au vinaigre qu'on prend les bateaux mouches. Je crois que la réussite lui faisait peur et en même temps il avait un grand besoin de reconnaissance. Il avait besoin de chanter, de voir qu'on l'aimait. Il était éminemment populaire. Alors on ne parle pas en termes de un sens national, mais dans le monde de la chanson, Alain, c'était une icône vivante, quoi. Oui, Alain Leprest était chez lui ici au Franco. Jean-Louis Foulquier fut un des rares à défendre bec et ongles cet artiste hors norme. Pas une star, non. Juste un grand. Où vont les chevaux quand ils dorment? Qui a dit le vent est savant? Où finit le cri des baleines? Où recommencera le nôtre? Qui tiendra nos voix en haleine? Siempre que te pregunto que cuando, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. J'avais cette vision-là de ces hommes à la fois guerriers, à la fois où le sacré est important. Il fallait cette toile blanche, il fallait l'idée aussi du voile, celle que l'on enroule autour de la tête, celle qui sert à couvrir les cheveux peut-être. Thank you.
pas mal d'idées. Enfin, il y avait vraiment l'envie d'écrire en alexandrin. Moi, parce que j'adore ça. S'illumine dans une scène d'amour fou. Et les pupilles se dilatent. On croit que c'est pour nous. L'idée centrale du spectacle, c'est l'envie. Enfin, c'est un truc de spectateur de tomber amoureux de la nana sur scène et d'avoir vraiment d'avoir envie d'aller sur scène pour lui dire quoi. Vous me faites pas. C'est pour me dire cela que vous êtes ici. Non, parce que ce matin, j'ai failli perdre la vie. J'ai voulu vous voir. Ah, bah ça, c'est gentil. Il y avait l'idée de faire des combats d'épée, parce que je m'entraînais beaucoup dans la rue à l'épée. Et je voyais que tout le monde s'arrêtait pour me regarder. Enfin, le côté spectaculaire était évident, donc du coup, j'avais envie de l'utiliser. C'est as you want, as you can come, c'est nos problèmes, it's up to you, mais viens quand même, c'est comme tu veux, c'est all open. All open. Nights in white satin, never reaching the end. Dame, I'm gonna say it here.